Il y avait autrefois un petit roi qui régnait comme dans son royaume sur tous ses sujets, beaux élèves. Mais oui, nana, je comprends pas, là. Charlebois qui chante Fernande. C'est peut-être le remote. Attendez, gars. Mettons, là, que vous voulez aller au 8. Le 8, c'est la station Soleil, c'est le meilleur. Ça, c'est l'autre télévision, c'est la meilleure. Vous pourriez la prendre au 17, mais bloquez-vous au 8, c'est le plus loin que vous allez pouvoir aller. Bon, mettons, là, maman, vous voulez aller voir qu'est-ce qui se passe. Vous pesez sur le 8, schlac! Dolores, oh, toi, ma douloureuse, perdue dans le Colorado, toute nue, dans un libello, je rêve à ton dos, dans ma Colorado. Ben oui, nana, je le sais, ça n'a pas de bon sens. Ferland, il chante Charlebois, Charlebois chante Ferland. Je le sais-tu, moi, que ça doit être le Gérard, là. Ben, arrangez-vous comme vous voulez, maman, faites comme tout le monde. Regardez la radio, c'est tout. Bonsoir, les titres. L'essence à 10 francs le litre. La lune a tremblé deux fois la nuit dernière. Sondage. Le président est populaire, plus 13. Naissance du 60 millionième français, c'est une française. L'invité du journal, monsieur perdu du mouvement socialo-érotico-gaulliste. Un fait divers, Mozart assassiné par un pianiste. On m'apporte une dépêche, tout l'orchestre était dans le coup. Voilà, merci d'être avec nous, merci beaucoup. Toi, moi, il y a longtemps, j'en ai pas. Et chaque soir, j'ai le blues quand je regarde les news. C'est à toi. Oh, what a day! Oui, ça on peut dire. Ça a commencé à l'école ce matin. Ouais, ça commence. Ma journée là, c'est vraiment une journée remplie. Je me suis levé à 7 heures pour aller reconduire mon plus vieux Victor à l'école. La grosse école, il commençait ce matin. Alors, j'ai vu des enfants qui avaient le même sac d'école que j'avais quand j'ai commencé à 6 ans. Ça m'a ému aux larmes. Et puis lui aussi, il a craqué, je pense, parce qu'il sent qu'il quitte son enfance et puis il entre dans d'autres choses. Là. Puis après ça, ce matin, tu as fait le mixage... D'une musique de film que je m'en vais livrer ce soir en Europe. Tu prends l'avion tout à l'heure. Une comédie franco-polonaise, j'espère qu'on pourra voir ici, qui s'appelle « La fiancée qui venait du froid ». Oui. Tu as fait la musique de film sur... Ouais, c'est sur un sujet assez lourd, là. C'est sur les mariages blancs en Pologne. Vous savez qu'autrefois, les jeunes polonaises pouvaient se marier avec un Français qui allait passer la journée à Varsovie. Ah, oui. Et maintenant, il faut passer 6 mois avec le régime actuel. Ça décourage beaucoup de mâles. et tu t'en vas à Paris pour faire... D'abord, pour faire la plus grande fête qui existe au niveau des spectacles en France, c'est la fête de l'humanité. En Europe, je dirais. Ah, ouais, oui, 500 000 personnes à peu près. Oui, il y a toujours 1 million de personnes sur le terrain, mais devant la grande scène, là, c'est pas moi qui attire ça, mais il y a classiquement chaque année un bon 400-500 000 personnes. Alors, après avoir fait le Club Soda... C'est le paradoxe. Hein? C'est, ouais, je passe de la plus petite salle de ma vie à la plus grande scène. Ben, oui, c'est les antipodes. Dans la même semaine. Et puis tu vas faire aussi à Deauville, ouais. la fête la plus snob. Le tournoi de golf de Deauville avec Lee Trevino et tous ces grands professionnels. Alors ça, c'est vraiment la fête la plus chic et la plus snob avec la fête la plus démocratique ou la plus pop, disons. Mais dans tes chansons, t'es un petit peu comme ça aussi depuis quelques temps. Tu vas des balades les plus pures au rock le plus... Au rock le plus échevelé. Oui. Puis la musique du film que j'ai fait, c'est très Chopin. C'est vraiment de grande inspiration romantique. Alors, je crois que j'ai besoin des extrêmes pour retrouver mon équilibre. Bon, on dirait que tu es plus de bonne humeur que tu n'as jamais été aussi. Ben, je suis de bonne humeur parce que je travaille, puis c'est de plus en plus un luxe, il faut croire. Mais, plus on s'approche de l'an 2000. Il y a une place, est-ce que tu avais l'impression qu'on te laissait tomber un petit peu? Non, sais-tu, Jean-Pierre, j'ai eu l'impression de me laisser tomber un petit peu parce que j'ai eu une grosse indigestion. On va pas revenir sur le passé, mais disons que... j'ai aussi perdu mes parents, tout ça. Alors, j'étais triste. Puis quand on est triste, on n'a pas envie de se montrer. On n'a pas toujours envie d'être drôle, comme disait Clémence. Oui. Mesdames, messieurs, plus brillant que jamais, Robert Charlebois. Qu'est-ce que je fais, là? Tu chantes! Tous ces étés qu'on a passés à faire la planche à voile, l'éternité doit ressembler à ces jours de soleil.
On a été tellement heureux ensemble tous les deux. Peu à peu ça s'est gâté. Je sens que l'orage va éclater. Je peux plus te voir la face, tu peux plus me sentir. Si c'est pas toi qui pars, c'est moi qui va partir. C'est notre dernière scène avant qu'on s'assassine. Sors ton 25 cents, puis serre ta carabine. On va tirer ça. Pas qu'on revire comme nos voisins d'en face. Ça fait 20 ans qu'ils se tirent des couteaux en pleine face. Si on sauve pas le bateau, faudrait qu'on sauve la face. Qui c'est qui se tire à l'eau? Faut qu'il y en ait un qui le fasse. On va tirer ça. Le pick-up, la TV. Notre beau grand lit king size. Nos faux fauteuils Louis XVI. Notre bon vieux chien bulldog. Notre chalet à Magog. Nos souvenirs du Maroc. Puis nos albums de rock. On va tirer ça. On va tirer ça. Tout doit finir puisqu'il faut se quitter. Il faut savoir en rire plutôt que d'en pleurer. Faisons un gros party où on va inviter même nos voisins d'en face, rien que pour leur voir la face.
comme un fou, mais tu t'en fous. Bravo, Robert. Oui, ils ont plus de l'allergie. C'est ça. Mais toi, tu peux pas avoir d'animaux parce que tu es toujours pris à voyager. Ben moi, je voyage beaucoup. Alors, j'ai des souris, j'ai des mulots, des grenouilles, des chats sauvages. Ah, oui. Autour de chez moi, il y a des chats sauvages. Vu que je suis jamais là, ils viennent. Ton spectacle, Robert, d'abord, c'est tellement agréable de te voir dans un état d'esprit comme maintenant, j'avoue. Et puis, ton spectacle... Tu sais que toi aussi, Jean-Pierre. Merci, mon Il y a quelqu'un qui a tellement aimé la dernière émission qu'on a faite ensemble. Ils m'ont dit, j'ai trouvé Ferland tellement sympathique, je suis allé acheter son disque. Ah! 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 En tout cas. En tout cas. Continue. Je disais qu'on a tellement entendu de bien sur ton spectacle aussi, mais c'était juste pour nous agacer, parce que ça durait une seule journée. Oui. Ben, disons qu'entre les deux extrêmes, entre la fête de l'humanité et le Club Soda, il y a quand même le Théâtre Saint-Denis, qui est un lieu que j'ai jamais fait, qui est pour moi encore vierge, si on fait exception de l'hommage à Charles Trenet, mais ce n'est pas mon matériel, donc je pense que... Alors, tu fais le Saint-Denis. Oui, j'ai l'impression d'avoir trouvé mon outil là-dedans. Bon. Ça va être... c'est une belle proportion. Je m'aperçois que tu as choisi tous tes musiciens. Oui, c'est un all-star band. Il y en a même un qui a son fan club. Je ne sais pas si on peut y montrer. Joe Jammer, le superstar de notre orchestre. Il y a tout son fan club ici avec les T-shirts. Et il y a évidemment... Il nous en manque un aujourd'hui. Mais il y a Marty Simons à la direction, à la batterie. Il y a Jean Pellerin. Et Jean Pellerin, j'en profite pour en parler aujourd'hui parce que dans la merveilleuse critique qu'il y a eu dans la presse et dans les autres journaux, on parle d'un orchestre de 5 musiciens et on oublie Jean Pellerin. À chaque fois, là, j'aimerais qu'on le montre en close-up. C'est celui qui a la chemise rouge à la banque. Voilà. L'affront est réparé. Il y a notre Colombien, Jimmy Tanaka. Oui, évidemment, les Colombiens, c'est pas pareil. Ils sont tous grands musiciens. Et le grand musicien, là? Il y a Joe Jammer, bon, j'ai commencé avec lui. Oui. Il y a André Lambert au saxophone. C'est ça. Aux différentes grosseurs de saxophone. Et puis, pour la journée, ils se sont payés Daniel Mercure en voilà. Pour aujourd'hui. Et c'est un autre Daniel qui va le remplacer. Ouais. On reste dans les Daniels. C'est Daniel Barbe qui sera là au Saint-Denis. Bon. Alors, au Saint-Denis, tantôt, tu me disais que Dolores, tu n'avais pas chanté cette chanson-là depuis 15 ans, depuis 10 ans. Un bon 10 ans. Donc, qu'est-ce que tu fais quand... Ben, tu sais, j'ai comme 150 chansons sur disque. Alors, évidemment, les gens, ils ne peuvent pas entendre toutes les chansons qu'ils aiment, mais j'essaie de faire un choix dans ce qui est un peu à mon goût. Oui. Et puis, de temps en temps, tu le sais comme moi, bon, ils font laisser dormir des chansons. Oui, Conception aussi, je la laisse dormir cette année. Bon, tout le monde la veut, mais elle n'est pas là. Elle est en Colombie avec, avec les amis de Tanaka. Alors, veux-tu, on va faire une belle plage encore pour le Saint-Denis, parce que c'est important.
faut qu'on le sache. Ben oui. Pour se préparer d'avance. C'est fin septembre. C'est fin septembre. Le 29 septembre, 30 et 1er oui. octobre. Et bon. Les expos ne jouent pas dans ces dates-là. J'ai déjà tout vérifié. Le hockey n'a pas commencé encore. Le hockey n'a pas commencé. Bon, parfait. Compte sur nous, on sera là avec le plus grand plaisir du monde. Sur toi, surtout. Tu vas nous chanter une belle chanson, la dernière. Oui, ben ça, c'est une chanson qui a 5 ans, mais les vieilles chansons sont... Enfin, les bonnes chansons sont jamais vieilles, hein. C'est vrai. C'est une chanson de fond qui s'appelle « Je veux de l'amour ». « Je veux de l'amour ». Robert Charlebois. Ça fait 15 ans que je fais ce métier-là. J'ai chanté à Longueuil, à Vaudreuil, Repentigny, La Valtrie. J'ai rempli des salles, j'en ai vidé aussi. J'ai eu ma part de succès, j'ai eu ma part d'ennui. J'ai eu des bravos, des choux. J'ai eu des demandes spéciales. Strangers in the night, feelings, Mexico. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment ça se fait. Les artistes font jamais de demande spéciale. Je veux de l'amour, oh! Je veux de l'amour, oh! Je veux de l'amour au moment que je le dis, à la place que je suis. Je veux de l'amour. J'ai un syndicat, j'ai un agent. L'un marche au tarif, l'autre au pourcent. Les rares comme moi, qui marchent au sentiment, ne tiennent pas longtemps le coup. Ils deviennent fous. Oh, je veux de l'amour. Oh, je veux de l'amour. Au compte-goutte, à la peine, à Beyrouth, au bordel, au secours. Je parle à celui qui m'offre un verre. Quand j'ai déjà bu plus que ma tasse, je parle à la rousse avec un chandail vert que je sens qu'elle va me faire une pause. Je veux pas de fun, je veux pas de fun, je veux de l'amour. Je veux pas que la crise me renvoie mon petit change quand ça sonne 20 fois puis que ça répond pas. Je veux qu'elle m'aime tout seul. Quand un artiste a du succès, il y a du talent, des fans, des contrats. Quand il est dans le trou, que c'est qu'il a? Il y a tort, il y a honte, il y a soif. Oh, je veux de l'amour, oh, je veux de l'amour. En enfer, quand je suis sous la table, plus regardable, plus parlable. De l'amour pour moi, puis pour mon chien qui m'attend toute la nuit dans l'auto. J'en veux aussi pour Luis Mariano qui valait mieux que Mexico. Oh, je veux de l'amour, oh, je veux de l'amour pour ma femme qui dort pas quand j'arrive à Cascata. 4 heures du matin. Je veux de l'amour pour mes amis qui sont pas venus ce soir non plus voir mon spectacle. Oh, je veux de l'amour, je veux de l'amour, je veux de l'amour pour ma blonde qui a pas pris sa pilule et d'espère avorter en taxi à Plattsburgh aux États-Unis. Oh, je veux de l'amour. Suite, pas ta moto, pas ta loi, pas de matin avant, pas après élection fédérale, municipale ou provinciale. Suite. Oh, je veux de l'amour, 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 puis de l'argent, puis de l'argent pour acheter des cadeaux, pour en faire à tout le monde, pour qu'ils m'aiment. Oh, thank you.
Bravo, Robert. Thank you.